Coucou, nouveau vlog, je suis en attente. J'ai un petit rendez-vous, un call vidéo avec une marque. Il est presque 14h, je ne pensais pas vlogger non plus. Et en fait, après, Eric vient de me dire qu'il veut la butte. Faire quoi, voir quoi, je ne sais pas, mais au moins, on va y aller ensemble. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment, hein. Bah oui, parce que les dernières vidéos que j'ai faites, c'était presque de la face cam entre ma vidéo de présentation, de la boxe. Et Lidl. Lidl d'ailleurs, j'ai encore testé, notamment les surgelés et notamment les purées avec des noisettes et tout. C'est un chef-d'œuvre. C'est splendide. Je vais y retourner. C'est trop, trop bon. Je mange ça le midi. J'arrête pas. C'est excellent. La réunion est en train de charger. Je sens que ça bug. En fait, c'était 14h30 la réunion. Il est que 14h10. Donc, bah, je vais appeler un autre fournisseur. Réunion terminée. Nous sommes chez But. Trop beau ce petit siège là. Ah, il cherche des sièges de gaming, mais alors le problème c'est qu'il ne veut pas de roulette parce que sinon quand il pilote, c'est vrai que ça bouge. Non mais tu trouveras pas, hein. Il faut un truc sur mesure. Mais... Je le trouve très joli celui-là. Ouais. Bon, je n'en ai pas besoin, j'en ai déjà. Et ça aussi je trouve que cette table, pareil, ça n'irait pas chez moi, mais dans l'absolu, c'est mignon avec ces chaises. Hein oui. Tu en penses quoi? Elle est très jolie. En fait, je déteste. Mais je sais, mais c'est pour ça que j'attendais. C'est pour voir si t'écoutais. Je sais que tu détestes ce style. Par contre, ça, vous en pensez à moi, c'est un... Comment ça s'appelle? Eh bien, c'est à... Paris-Brest. Non. Saint-Nectaire. Mais non, Saint-Honoré. Saint-Honoré. Saint-Nectaire. C'est un fromage, Saint-Nectaire. Je cherche. C'est la rentrée, hein, il est de mauvaise humeur. Oui. Très mauvaise humeur. Très, très mauvaise humeur. Très, 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 très. D'ailleurs, il m'a dit, je suis encore en vacances. J'ai pas le droit de lui parler de la rentrée. Attends, bébé, viens voir. Si j'ouvre un cabinet de psychanalyse... Il me faudra un divan, c'est parfait ça. Et en fait, je dois être vachement bien là-dedans. Et on va voir si on a gagné une cuisine, les amis. Attention. Oh. Alors ? Ah, je sais pas, on peut gagner un abonnement d'un an. Voilà, cadeau but, cuisine, signature, on a déjà une, tiens. Nuit d'hôtel, Kyriade. Bravo, vous avez gagné une offre Pixum. Pour un album en ligne. Oh merde ! Oh merde ! Pour un quoi ? Un album photo en ligne. Ah, super. Alors, nous sommes rentrés et en fait, il n'a pas pris de siège. Mais il a trouvé ça parce qu'il voulait juste rehausser quand il joue. Ça coûte 9 euros. C'est en 3 parties, mais c'est un carré. Et il est trop petit, quoi. Je vous montre vite fait, même s'il est en train de jouer. Mais le problème, excuse-moi, vas-y, fais comme si j'étais pas là. Donc, le fauteuil qui est à moi est trop bas. Et ça ne passe pas, là, le c'est pas grave, on fera un avoir. Et vous savez que c'est vraiment du sport. C'est simulation de racing et c'est exactement ce que les vrais pilotes, c'est le logiciel que les vrais pilotes de Formule 1 et tout ça, ils s'entraînent là-dessus. Le père physique, il me dit qu'il sent toutes les vibrations. C'est juste le siège qui bouge pas. Le gars qui espionne. Tu espionnes tout le temps, toi, hein? Oui. Avant que je n'oublie, parce que je voulais vous faire un point concernant Lidl, là, que je découvre finalement. Ben oui, je vous l'ai dit, j'y allais jamais. Et j'ai voulu faire une dégustation. Alors tous ces surgelés que j'ai achetés, notamment bon, écrasés de patates douces, mon préféré, donc je l'ai mangé d'un coup, c'est-à-dire celui à... Attends, c'est quoi ? Pommes de terre, noisettes, enfin de la patate noisette, mais sous forme de purée. Exceptionnel ! Ça également, hyper bon, les galettes de pommes de terre. Donc regardez si jamais vous allez à Lidl, la marque. Très 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 bon, tu peux accompagner en plus avec plein de choses. Ces petites croquettes, elles sont onctueuses, croustillantes, c'est tout ce qu'on leur demande et bah c'est top, vraiment très très bon. Il n'y a que celle-ci que j'ai pas encore goûté, mais je pense qu'elle va être, c'est la même marque, donc ça va être du même niveau, c'est canon. Quant aux gâteaux, je ne les avais pas testés, ceux-là je vous avais dit que je vous en parlerais, bah je vous en parle, voilà, très très bon, du vrai sablé, dedans c'est cœur coulant, framboise, on a vraiment le goût de framboise, on a le goût du sablé, je valide, excellent. Mercredi, c'est donc le lendemain, parce qu'en fait, hier, quand on est rentré de But, j'ai enchaîné 5, ouais, c'est ça, 5 coups de téléphone avec des gestions de tarifs, de tout ça, de négociations, et en fait, ça m'a pris toute la fin de journée. Voilà, donc j'ai dit, allez, laisse tomber, on reprend le lendemain, donc me voilà. Et bah, je voulais un petit peu discuter avec vous, il est assez tard là, il est bien 3h30, je sors d'une réunion. Et concernant justement ma box, parce que vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu, j'ai fait ma vidéo de présentation.
j'avais décidé de... Vu que je suis quand même au début, ça fait 3 mois, je teste les choses, je fais des petits ajustements. Et surtout, je suis quand même seule aux commandes. J'ai pas Camille, j'ai pas l'assistante, j'ai pas Marielle qui s'occupe du marketing, je n'ai pas Paul qui fait tout ce qui est gestion, comptabilité. Non, je fais tout. Et donc, je teste des choses. J'ai voulu vous faire la vidéo où je vous présente l'intégralité de la box. Certes, vous n'êtes pas obligé de la regarder pour celles qui veulent garder le mystère, mais j'ai décidé quand même que, parce que le concept de la box, moi, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, c'est l'effet de surprise, que dorénavant, je ferai effectivement une vidéo de présentation, mais après, une fois que tout le monde l'aura reçu, pas avant. Je préfère. Alors oui, certes, vous ne pourrez pas la commander une fois que vous aurez vu « Oh, le contenu me plaît », ça sera trop rare, mais au moins vous aurez une ambiance générale. De plus, j'ai montré également tout le contenu sur Insta. Et finalement, ça perd tellement de son charme que j'ai décidé également de ne plus le faire. Il y aura de temps en temps, je vous mettrai des petits sneak peeks, des aperçus, mais très légers, vraiment des indices, on va dire, comme finalement en fait, je faisais déjà dès le début. Peut-être qu'il y aurait, il y aura un article qui sera révélé, mais encore rien n'est sûr. Je veux rester sur le vrai concept de la box surprise, ce qui fait l'essence même du concept. Voilà, donc ça, parce que j'ai fait aussi des sondages et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah oui, c'est bien de voir avant », mais les personnes qui ont dit « Oui, c'est bien de voir avant », c'est des personnes qui ne sont pas forcément abonnées. Donc, je vois pas l'intérêt. Sinon, cette box que vous pouvez encore commander, en tout cas l'édition de septembre, il vous reste 2 jours, enfin jusqu'au 10. Donc, le 11, ça passe à celle d'octobre. Sachez-le. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me l'ont commandé. Ce mois-ci, ça fait hyper plaisir, comme d'hab. Sinon, comme je vous disais, bah là, j'ai pas arrêté de... On papote un peu... d'enchaîner, forcément, les choses doivent bouger. Je suis en train de bosser sur l'édition notamment de Noël. J'ai envie de faire quelque chose de particulier, d'original, qu'on ne retrouve pas partout. Donc forcément, ça demande de démarcher pas mal de monde. Mais les choses avancent vraiment très très bien. Je suis ravie. Et je peux dire que je suis fière de moi, mon petit niveau. Je pense que j'avance à mon rythme, mais j'avance. Mais je me suis pas embêtée. J'ai foutu un maillot de bain avec un petit gilet un peu croché, enfin c'est pas un gilet, hein, parce que sinon, vu la chaleur, mais c'est hyper pratique, j'ai une jupe longue, je suis trop bien comme ça, en plus je trouve ça très très mignon, hein. Bon, dehors je sais pas, parce qu'on voit quand même bien, c'était un des maillots de bain que j'avais eu en partenariat, j'en avais reçu, oh, j'ai fait une fois cette vidéo, j'en avais reçu 7 ou 8, un truc qui sert à rien, je crois que j'en ai mis qu'un, mais voilà, pourquoi je vous ai dit ça, non bah rien, juste pour vous expliquer le style du jour, il est pas là Jack? Évidemment qu'il est là, je me demandais. Alors ça, c'est son nouvel endroit fétiche, c'est-à-dire qu'il se met tout en haut des gros coussins, ce qui veut dire qu'après, il faut que je les retape parce qu'ils sont tout enfoncés, mais il adore. Alors est-ce que c'est parce que c'est un carrefour, il entend tout, il voit tout et surtout, il surveille quoi? Sa gamelle, on sait jamais si maman lui donne la croquette. Hein? Aussi, j'en profite parce que vous m'avez demandé est-ce que Jack va mieux? Alors oui, il va mieux. Pourquoi il va mieux? Bah parce que son papa et sa maman, ils sont à la maison. En fait, c'est que, voilà, dès qu'il a un stress, c'est un chat qui n'aime pas être tout seul. Et du coup, bah, il nous le fait savoir en faisant un petit pissou juste à côté de sa litière. Il est beaucoup plus détendu, ça se ressent, quoi. Mais il y a des chats comme ça, voilà, ils supportent pas d'être seuls et lui, il en fait partie. Mais sinon, tout va bien. D'ailleurs, montre, tu fais le petit bisou? Oui? Bah, il parle beaucoup, ce bébé. Est-ce que vous savez comment les chats communiquent? Quand il y a un moment de calme, là par exemple, il va te regarder et il te cligne des yeux. Ça, c'est, il essaye de parler quand il cligne des yeux, tout en te fixant, c'est qu'il parle avec toi. Voilà, il faut choper ces petits instants. J'adore. Alors des fois, on croirait qu'il s'endort, mais en fait, il veut juste nous parler. Hein, c'est ça que tu fais? Bon, oui. Bon, je ne vais pas pouvoir traîner parce qu'il n'y a plus trop de batterie. Oui, maman s'en va. Et aussi pour vous dire que cette vidéo va s'arrêter maintenant. C'était juste pour faire un petit point, pour vous retrouver, parce que c'est vrai que ça me manquait aussi. Voilà. Donc, de toute façon, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos. Et je suis en train de me demander si, dites-moi si ce type de vidéo, je ne le fais jamais,
vous plairait de voir, parce que j'avais dans l'idée de faire soit produit terminé, soit mes favoris du moment. Vous voyez, je le fais jamais ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, je teste des choses et je me dis, putain, il faudrait que je leur en parle parce que c'était vraiment bien. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Il n'y a aucun souci si vous n'aimez pas. Je peux comprendre, moi-même, je n'en regarde pas beaucoup. Sauf ceux de... J'adore regarder les favoris de Colline. Et pourquoi pas Colline? Je trouve que c'est canon, ça donne envie, c'est top. Voilà, bah écoutez, vous aurez compris. Je vais faire le montage de cette vidéo, je vous laisse. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.